Bonjour à tous et à toutes, je suis Lily de la chaîne Pensée Digital Marketing et du site Pensée Digital Marketing. J'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment avoir plus de vues sans créer de vidéos. Donc je vous rappelle un petit peu l'historique de ma chaîne. J'ai créé ma chaîne en 2018, l'été 2018. J'ai réalisé pas mal de contenu, pas mal de vidéos et je me suis arrêtée en septembre 2018 parce que j'avais déjà deux chaînes YouTube à gérer. Donc je ne pouvais pas gérer les trois chaînes, j'avais en plus d'autres activités à côté. Donc j'ai arrêté de créer du contenu, de publier du contenu sur cette chaîne. J'ai repris fin 2019, donc décembre 2019. Voilà ce qui s'est passé. Je vais donc, là vous êtes sur le dashboard, donc sur les coulisses en fait de ma chaîne YouTube. On va accéder aux analytics de ma chaîne YouTube. On va, alors là, vous avez en fait le nombre de vues qui augmente, sachant que là, j'ai créé du contenu à l'heure où je vous parle. J'ai créé une vidéo il y a deux semaines. Donc, je réalise très peu de vidéos sur cette chaîne. Donc, je vais vous montrer ce qui s'est passé il y a 90 jours. Voilà. Donc, ici, j'avais très peu de vues, comme vous le voyez. Donc, j'avais... Je gagnais 2 abonnés, 2 vues, non, pardon, 2 vues, non, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est le nombre de vues. Donc là, je gagnais, voilà, 1 abonné, 3 abonnés, 2 abonnés, parfois 0, parfois j'en perdais, bon, bref. Et voilà ce qui s'est passé à partir du samedi 18 avril. Donc c'est vrai que ça coïncide aussi à la crise hein, dans laquelle nous sommes. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais voilà, faites vos recherches, je ne vais pas prononcer le nom, mais il y a eu une crise sanitaire à cette époque-là, et donc du coup les gens avaient beaucoup plus de temps pour regarder des vidéos sur YouTube, et regardez ce qui s'est passé, mon nombre d'abonnés, mon nombre de vues a décollé. Voilà. Et donc, grâce à quel système j'ai pu réussir à avoir beaucoup plus de vues, à voir que ma chaîne décolle, sachant que je n'ai créé aucun contenu. Il y a eu une vidéo qui a été virale sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous devez pas forcément créer de la quantité, mais surtout de la qualité. Il faut vraiment voilà, insister sur les tags, sur votre thématique, voir un petit peu ce que font vos concurrents, regarder leurs vidéos populaires, vous en inspirer et surtout faire la meilleure recherche de mots-clés parce que c'est la base, c'est le SEO YouTube, c'est hyper important d'être au clair avec ça. Donc, il y a eu une vidéo qui m'a fait décoller, qui a fait décoller la chaîne. J'en revenais pas moi-même, donc je voulais justement vous en parler. Eh bien, c'est cette vidéo. Regardez, ici, nous avons en dessous donc des analytics. Nous avons ici les vidéos les plus populaires pour cette période. Donc, on a un classement. Et la première vidéo que j'ai réalisée le 31 décembre 2019, vous voyez, m'a fait 1201 vues. Sachant que toutes mes vidéos font, vous voyez, regardez, en 2018, j'ai 95 vues, mois de janvier 2020, 46 vues, en 2018, vous voyez, ça coïncide à l'été 2018, j'ai commencé quand même au mois de mai, vous voyez, 25 vues, 17 mars 2018, 15 vues, 20 mai 2020, 12 vues, parce que c'est vrai que j'ai créé une vidéo juste après, 27 août 2018, 11 vues, donc très très peu de vues, et regardez celle-ci, elle a décollé. Donc, on va cliquer dessus. Regardez. Donc, je l'ai créé donc, en fin décembre 2019. Et vous voyez, là, j'avais très peu de vues. Et ça a commencé à décoller ici à partir du 26 janvier. Voyez. Donc, il faut du temps pour qu'une vidéo explose. Et regardez, 109 vues. Et là, à partir du mois d'avril, ça a complètement décollé. Voyez. Et elle continue à me générer des vues et à me générer aussi des abonnés. Regardez, plus 9 abonnés grâce à cette vidéo.
Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est hyper important de faire pas forcément de la quantité. Alors, il est vrai que c'est important de faire une à deux vidéos par semaine. Ne faites pas comme moi. C'est juste, voilà, je voulais juste vous montrer qu'il était possible de voir votre chaîne décoller du jour au lendemain sans vraiment créer de contenu. Hein, moi, j'en ai pas créé depuis fin 2019 et vous voyez, il y a une vidéo qui a décollé. Donc c'est important de faire des vidéos intemporelles, de faire des vidéos de qualité et aussi de faire des vidéos qui ne se démoderont jamais. Et surtout, c'est important d'avoir les bons tags. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Dites-moi en commentaire si voilà, si vous venez de créer votre chaîne YouTube, depuis combien de temps, est-ce que vous avez des vidéos qui sont virales, qui ont décollé comme ça. Ouais, je serais curieuse de voir un petit peu ce qui s'est passé aussi pour vous, si la même chose est arrivée pour vous. Je vous laisse sur cette vidéo, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Je ne sais pas quand, parce que c'est vrai que sur cette chaîne, je ne suis pas du tout consistante. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais je suis pas du tout régulière, voilà, c'est le mot. Mais voilà, il faut être régulier sur votre chaîne YouTube. C'est important, et si vous pouvez faire des vidéos de qualité avec les bons mots tags, les bons mots-clés, pardon, les bons tags, ben c'est l'idéal. Vous allez voir qu'au bout de quelques mois, voire de quelques années, après ça dépend des chaînes YouTube, hein. Il y a des chaînes YouTube qui explosent au bout de quelques mois, et il y a des chaînes YouTube qui explosent au bout de quelques années. Voilà. Donc je vous souhaite vraiment de réussir sur YouTube, et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao!